premier étage, les tuyaux de grand orgue. Alors je me positionne entre les deux parties de ce qu'on appelle le sommier, sur lequel reposent les tuyaux. Au premier plan, donc, les jeux d'anches. Cet orgue appartenait au baron de l'épée. C'était un personnage tout à fait symptomatique de la fin du XIXe siècle. Il s'est fait construire pour son usage personnel différents instruments assez importants dans toute la France. Celui-ci se trouvait sur les Champs-Élysées, dans un salon de musique, et il l'a vendu, et par la suite il a été donné à la paroisse, mais il a été vendu au départ parce qu'il avait été menacé d'un procès pour tapage nocturne.